Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une astuce legit ou glitch. C'est une astuce, c'est vraiment une solution pour gagner un maximum de clés. Que ce soit sur Spaceland ou Redwoods. Donc c'est une astuce sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie. Donc là vous allez pouvoir gagner un maximum de clés facilement et sans rien faire. Enfin ça dépend qui. Parce que vous allez faire une partie, par exemple, vous faites une partie et vous allez jusqu'à la manche 100. Et bien au mieux que vous êtes en solo, hein, mais vous avez lancé une partie personnalisée, sinon personne ne pourra vous rejoindre. Donc si vous êtes en solo, une partie solo, là c'est mort, vous ne serez pas à faire cette solution, enfin cette astuce. Mais si vous êtes en partie personnalisée, et bien là vous allez pouvoir, au mieux de quitter la partie à la manche 100, ben, vous invitez un de vos amis à la manche 100. Et quand il va rejoindre, il faudra passer une manche obligatoire pour que lui, ça valide. Soit s'il a jamais fait le record, il a jamais fait les 100 manches, ben ça validera. Si vous passez à la 101e manche, il aura le record 101 manches. Mais ce qui est le plus avantageux, c'est que quand il va quitter, quand vous allez quitter la partie, eh ben vous allez encaisser, vous, les 100 clés plus ou moins, les 100 clés de cryptage, mais votre ami aussi. Donc si vous invitez trois amis, eh ben, c'est comme si vous faites croquer trois personnes dans la galette, hein, vous faites croquer vos potes quoi. Et comme ça vous leur faites gagner 100 clés à chacun quoi. Donc c'est vraiment pas négligeable cette astuce. Et moi regardez, je fais un glitch. Donc je le fais très souvent, hein, quasi tout le temps. Et quand je finis mon glitch, ben, j'invite des personnes à me rejoindre. Donc je fais comment? Ben, vous allez... Vous, tout simplement, vous allez dans Ami. Moi, je peux pas, j'en ai trop. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dans les joueurs récents. Et je vais inviter tous les joueurs récents. Donc, si jamais un jour, vous recevez une invitation de moi, de ma part, bah, faudra essayer de rejoindre. Mais bon, il y en a 50. Il y a 50. Vous voyez, en dessous, il est marqué le 40 sur 50. Donc là, je vais inviter chaque personne. Donc, ça va me prendre du temps. Donc, la première personne que je vais inviter, elle va accepter l'invitation. Mais elle ne sera pas rejointe parce que, en fait, regardez, en bas à droite, il est marqué « Aucun joueur ne peut rejoindre la partie pendant qu'elle est en pause. Veuillez reprendre la partie pour permettre à d'autres joueurs de vous rejoindre. » Donc voilà, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que tant que j'ai pas enlevé ma pause, eh ben, il pourra pas me rejoindre. Donc la première personne que je vais inviter, eh ben, elle va me rejoindre, mais ça marchera pas parce que je suis en pause. Donc ce qu'elle doit faire, la première personne, donc si vous êtes là, vous n'allez pas le savoir parce que voilà, hein, vous pouvez pas savoir si vous êtes la première personne. Et si maintenant vous n'arrivez pas à me rejoindre, je vous conseille d'insister. Donc vous allez dans vos notifications messages, hein, et dans les notifications vous allez dans invitation, vous voyez, vous allez dans invitation, et là vous allez pouvoir réutiliser l'invitation que je vous ai envoyée. Si ça fonctionne pas, essayez de me rejoindre via via les amis, parce que comme je vous ai envoyé une invitation, là vous allez pouvoir rejoindre ma partie d'une façon ou d'une autre. Si je vous ai pas invité, c'est clair, vous allez jamais pouvoir me rejoindre. Et il faut bien sûr se mettre en ligne aussi, sinon je pense que ça ne fonctionne pas. Vérifiez votre statut et mettez-vous bien en ligne. Donc voilà, moi là je vais inviter tout le monde, hein, tout simplement. J'invite. Donc le problème aussi, attendez, je vais inviter après, voilà. J'inviterai après. Donc le problème aussi, c'est que s'il y a une mise à jour entre temps, ben là c'est la merde, parce que vous n'allez pas pouvoir inviter la personne, parce qu'elle va pas pouvoir vous rejoindre. Il faut que vous ayez la même version de jeu que la personne que vous allez inviter. Donc là moi j'ai fait 166 manches, donc c'est quand même assez énorme. Ça prend au moins, la partie elle a pris une histoire de plus de 24 heures, hein, ouais, non, un peu moins de 24 heures. Voilà, donc c'est possible qu'il y ait une mise à jour en 24 heures, hein. Donc c'est possible qu'il y ait personne qui me rejoint. Mais je vais quand même inviter les personnes et voir si ils arrivent à me rejoindre. Donc voilà, le faites pas jusqu'à 160, hein. Essayez de faire jusqu'à 50 et à la 50 vous invitez 4 de votre, 3 de vos potes, comme ça vous êtes sûr qu'ils auront la même version. Parce qu'il y a des micro mises à jour et les micro mises à jour c'est pareil, hein. Il faut pas qu'il y en ait eu. Donc ça c'est un peu chiant. Enfin bref.
Donc je vais inviter des personnes et puis je vous reprends, donc je vous dis à tout de suite. Et petite information aussi, c'est que quand je vais vous inviter, bon là je vais pas parler avec eux, si je vais parler un petit peu avec eux, mais après je vais finir la vidéo, donc voilà. Mais si vous me rejoignez, ben je parlerai avec vous un petit temps parce que il faut absolument finir la manche. Et là vous voyez, je suis à la manche 166. La manche 166, elle dure au moins 20 à 30 minutes. Donc pendant 20 à 30 minutes, ben, je vais parler avec les gens qui m'ont rejoint, quoi, comme ça pour faire plus en reconnaissance. Donc voilà. Allez, je vous dis à tout de suite, je vais inviter tout le monde. Donc voilà, j'ai réussi à inviter 3 personnes, donc les 3 heureux vainqueurs, on va dire, les 3 élus. Et en fait, il faut que je vous dise un truc, c'est que quand ils arrivent sur la map, il faut leur demander qu'ils se suicident. Bon là, j'ai demandé à Alex, mais il n'a pas son micro, enfin il l'avait pas encore mis, donc je vais essayer de renvoyer un message ou quoi. Mais comme ça, ça prend pas 10 ans, parce qu'il faut attendre que la manche elle passe. Et comme je vous ai dit, la manche 166, elle dure 20 à 30 minutes quand je les one shot tout le temps comme ça avec le glitch. Mais si ils commencent à tourner quelque part avec des zombies à les tuer un par un, ben ça va prendre beaucoup plus de temps, sûrement le double de temps. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ben là je vais juste attendre les 160, que les manches elles passent, que la manche passe. Puis après je vais quitter la partie. Et quand je vais quitter la partie, vous allez remarquer, soit vous allez voir le nombre de mes clés de cryptage qui vont augmenter, soit il va me mettre erreur, mise à jour, blablabla. Ok? Donc voilà, si ça se passe comme ça, ben je ne serai pas à vous montrer. Mais bon, je vous assure que ça marche, hein. Je ne vais pas vous faire une vidéo pour vous mentir, vous me connaissez, je crois. Et que voilà. Donc regardez, vous avez vu, j'ai 736 000 points en bas à gauche. En fait, à chaque fois que quelqu'un disparaît, je perds un pourcentage de ma somme. Enfin, elle se laisse mourir. Donc voilà, c'est une petite information si vous vous demandez pourquoi votre argent diminue. C'est totalement normal. Donc là, je vais couper la vidéo et je vous reprends dès qu'on est à la manche 167. Je refilmerai quand je quitterai. Et voilà, même si maintenant, moi j'ai une mise à jour, donc je vais quitter la partie. Même si moi j'ai une mise à jour, les autres gagneront des clés. Peu importe ce qui va se passer, eux gagneront des clés. Moi aussi je gagnerai des clés. Sauf si maintenant je viens rejoindre une autre partie. Par exemple, si je fais star, je fais triangle et je rejoins une autre personne, ben là ça va être un problème parce que là je crois que ça va pas être comptabilisé. Peut-être pour les autres, mais pas pour moi en tous les cas. Et regardez, donc dès que j'ai invité une personne, donc Alpha par exemple, il est rentré, il avait le micro direct. Et je lui ai dit, ben vas-y, rejoins-moi. Oh, c'est bizarre, il est niveau 231, comme ça, moi je suis niveau 220, c'est quoi cette histoire? Enfin bref, donc moi je lui ai dit, ben, parce qu'en fait, dès qu'il rejoint la partie, je peux plus mettre pause. Bah ben, si je peux, mais ça met pas pause à la partie. Donc à ce moment-là, je lui ai dit, surveille s'il y a bien 4 personnes, et moi je continue à vous inviter via les joueurs récents. Donc si vous recevez une deuxième invitation, de ma part, il faut directement rejoindre. Si vous en recevez 2, c'est obligé. Une, vous avez peut-être la chance de rentrer. Deux, c'est obligé, je cherche encore une personne, donc rejoignez direct, soyez rapide. Donc voilà, donc là je vais vous laisser et je vous reprends dès qu'on a fini cette manche. Donc à tout de suite. Donc voilà, la manche elle est passée. Donc c'est toujours la même personne, hein, je vous mens pas. Donc la manche elle est passée, donc là je vais simplement quitter la partie pour valider tout ça. Et si je me fais déco, ben on va bien voir, de toute façon on va être fixé. Donc voilà, hop, quitter la partie, oui. Donc voilà, vous avez vu, j'ai tenu 23h40, bah j'ai tenu, enfin j'ai pas joué pendant 23h43 minutes et ça m'a fait 167 manches. Donc, voilà, hein, ça passe avec le glitch que je fais, ça passe les manches en automatique. Donc voilà, une mise à jour des sélections est disponible et elle va être téléchargée. Donc voilà, j'ai été exclu comme je vous l'avais dit. Donc vous n'allez pas pouvoir voir le nombre de clés que j'ai gagné, mais je vous assure que j'en ai gagné une histoire de plus ou moins 170, plus ou moins. Donc je ne saurais pas vous le prouver, mais je peux vous assurer que c'est vrai. Donc voilà, si vous ne croyez pas, vous avez qu'à essayer, genre avec dimanche, hein, vous faites dimanche, puis vous invitez un pote, comme ça vous essayez, vous lui dites, et vous verrez bien. Mais même quand vous vous faites déconnecter comme ça, les autres vont gagner des clés, vous aussi vous gagnez des clés, parce que voilà, c'est normal. Donc là, je vais quand même me connecter au mode zombie. Pour essayer de vous montrer ça. Et je vais inviter Alpha, ouais, je vais l'inviter. Et lui va confirmer les choses. Ok. Donc attendez. Zombie.
réserve. Donc voilà, j'ai 2370 clés et j'en avais 2200, je peux vous assurer. De toute façon, je vais inviter Alpha et il va vous le confirmer. Voilà, il est là. Donc Alpha, est-ce que tu as gagné les clés? Ah ben voilà, voilà. Il vous a confirmé. J'espère que tu partages ta voix. Mais de toute façon, même si tu partages pas ta voix, je crois que normalement ça enregistre. Donc voilà, ben grosse dédicace à toi Alpha et merci beaucoup d'avoir d'être venu me dire si t'avais reçu les clés ou pas. Super sympa. Ben voilà. Ben, je te souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite aussi une bonne soirée aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao. Peace.